la suite du let's play de Borderlands de PC Quarry sur PC. La dernière fois on s'est arrêté ici après avoir galéré un petit moment sur l'extérieur de la station. Et là on est de retour en intérieur de la station, donc on va tout de suite y aller et pour détruire le laser, enfin l'œil d'Elios, on dit le laser qui l'on porte depuis le début du jeu. What? Je viens d'envoyer le programme Gun au porteur déguisé. Tu peux en activer quelques-uns pour essayer. What? C'est quoi ça? Mais non, déjà... Pas déjà... Me voilà. Ouais. Ah, il est sniper maintenant. C'est nouveau. On se débarrasse pas de moi aussi facilement. Mais non, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je suis un mongol. Bon, allez, que je meurs, ça va être j'ai pas pu aller chercher de l'équipement parce que j'ai toujours pas de... J'ai toujours pas pu retourner à Cordia. Ah mais non, mais arrêtez, laissez-moi tranquille. C'est une mission comme les autres. Activation du bouclier. Bon, allons par là. Trouver le porteur est fini. Je sais pas, c'est quoi mon chiffre romain ça? C'est pas grave. C'est vrai, je suis bête. J'ai tout verrouillé avant que Dal prenne le contrôle. Vas-y, active cette station de voyage éclair et je te ferai entrer. Voyage éclair activé. Tu peux venir, si tu y tiens. Ok, j'arrive. Ça roule? Suis-moi, faut qu'on aille sauver le monde. Je reviens vite fait, je vais me faire du nouveau stuff. Allez, ellipse. Et me revoici. C'était chaud, j'ai dû refaire trois fois la zone. Espèce de bug. On voit que dalle ici. Je vais régler ça. Tout ça pour ça. Ah, je suis dégoûté. Nous y voilà, l'œil d'Elios. Un laser assez puissant pour fissurer la lune. Il marche à quoi? Non, juste des trucs, tu sais quoi, la routine, normal. Bon allez, on va couper tout ça, d'accord? On va couper tout ça. Ok, il y a un noyau à l'intérieur du laser qui fait tout fonctionner. Connecte-toi au système de contrôle et essaie de le couper à distance. Ok. Avant, il y a une mission à prendre. Je vais aller la chercher. J'ai tellement galéré pour refaire cette zone. Enfin, comme vous voyez, j'ai pu changer d'équipement, mais... Je vais faire toute la zone entière, et ça c'est vraiment pas bouché. On va chercher la mission. Et comme par hasard, il va y en avoir plusieurs. Ah non, il y en a qu'une. Bon, tu as survécu à ta petite balade en canon de tir lunaire. Du coup, je me suis dit, et si on utilisait ce truc pour faire voyager les gens où ils veulent? Ça aurait trop la classe, non? Mais je vais devoir faire plus de tests d'abord. L'un des soldats de Zarpedon veut passer de notre côté. Du coup, tu pourrais peut-être le convaincre de faire un petit tour en canon. On va faire ces petites quêtes, hein. Petite quête Alex, hein, que je vais le faire en vidéo. Certaines sont assez drôles, certaines n'ont rien de spécial. Enfin, je trouve ce jeu, enfin, celui-ci moins marrant que le deuxième, franchement.
Je sais pas pourquoi, ça, il manque un petit truc. On a un gagnant. Demande-lui si ça le tenterait de servir de cobaye au voyage en canon. Ça te dirait d'être éjecté par un canon à plusieurs centaines de milliers de kilomètres heure? Non. Ok, je comprends. J'imagine que présenté comme ça, l'idée a l'air toute pourrie, en effet. Trouve juste un moyen de le faire entrer dans le canon. Débrouille-toi. Ça sert à quelque chose, ce bouton? Oh, bon sang, pizza fiesta! Et voilà! Mais enfin, laissez-moi sortir! Maintenant, numérialise mon système de guidage expérimental sur l'obus. Il prendra le dessus sur la navigation par défaut et je pourrai faire des tests. Très bien. Suis le conteneur en haut et fais en sorte que rien ne lui arrive. Assure-toi que le système de guidage reste en un seul morceau. Sinon, qui sait où ce truc sera expédié? Tu m'as menti! C'est même pas une vraie pizza! Je ne laisserai personne me mentir à propos d'une pizza! Personne! Ici le soldat Ferro, à la base de tir lunaire. Je demande une extraction! J'ai été capturé par les chasseurs de l'arche de Jack! Des chasseurs de l'arche! À toutes les unités, mettez-vous en route! Oh merde! Le petit con demande de l'aide. Protège le système de guidage pendant que le conteneur est chargé pour le tir. J'ai tout de suite plus de dommages. Tu peux pas le laisser moi sortir! C'est comme ça que vous traitez l'un des vôtres! Je suis invincible! Tire de suppression! On la stoppe par contre. Parfait. Voilà. Trahit le système de guidage. Moi je m'en fous qu'il le pète. Mais le mec risque de mourir. Enfin voilà quoi. Ah je déteste ça les trous de verre. Dès que je serai sorti d'ici, je me ferai une joie de t'étouffer avec ta pizza numérique. Tire le système de guidage. Pourquoi tu fais ça? Je décolle. Ah, j'en ai marre, j'arrive pas à pisser. Allez, vas-y. Putain. Protège allez, ce nœud de guidage. On peut pas. Je veux pas aller sur la lune. J'ai horreur de ça, moi, la lune. Impossible. On est pitasse. Ça a tellement une inertie de merde que j'ai du mal à viser quoi. Quelqu'un ! Il y a des chasseurs de l'arche qui veulent m'éjecter la canon ! Ah mais... Mon bouclier ne faillira pas ! L'obus chargé ! Active le canon ! Voilà, on va activer le canon. Qu'est-ce que tu veux ? Bon, je vais pas essayer de le viser, ça sert à rien. C'est une bonne chose de faite. Voilà. Très bien. Hey mec, c'est bon? T'es en vie? J'imagine que oui. Bon, chasseur de l'arche, j'ai une récompense pour toi. Si t'as le temps, jette un coup d'œil à la surface de la lune, histoire de voir si le type a survécu. En fait, maintenant que j'y pense, on aurait peut-être pu utiliser des robots. Bon, ce mec de dalle qu'on a... Pardon, alors... On va prendre ça, ça, ça. Et on va mettre ça, là. Le canon de tir lunaire est probablement super mort. Mais si on utilisait plutôt des porteurs, je pourrais les envoyer où je veux, à tout moment. Et ils pourraient, je sais pas, frapper des trucs avec leurs bras en métal. Des trucs de robots, quoi. J'ai besoin que tu me trouves des porteurs et que tu les fasses entrer dans le canon. Abandonne tant que tu peux encore. Et pourquoi tu viens? Tu t'en fous mec. Ça va faire bien mal. Oh là là, j'y crois pas. J'ai échoué. Protéger le groupe de porteurs, c'est ce que je vais faire, y'a pas de problème. Voilà, visez les porteurs.
t'es où toi? C'est une blague. Oh, y'en a marre. Cette fois, c'est là. J'attaque les ennemis d'Hyperion. Je sors de l'arche. Terminé. Oh, ah, j'ai up. C'est vraiment n'importe quoi, c'est... Enfin, n'importe quoi, ces soldats là de la marine. Bon, t'es où? Si ça fait une poussée, va te faire écraser. C'est bon. Voilà. Allez. Arrive à destination. Allez. On est déjà à 14 heures de... Enfin, 16 heures de jeu là. Bon, il est chargé. Va falloir que je branche une sono à ce machin, histoire de passer de l'opéra chaque fois que ça envoie un truc. Oh bon sang, c'est trop cool. Très bien, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que les porteurs sont arrivés à bon port? Mise à jour de statut. Nous ne sommes pas morts. Le transport partir lunaire a réussi. Reviens quand tu veux. Je crois qu'on tient un truc, là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on retourne à la quête principale. Ah là, je commence un petit peu fatigué quand même. Parce que je filme depuis. Allez, combien de temps? 8-9 heures? Ça fait 8-9 heures d'affilée que je filme. Allez. Ah, la porte. Qu'est-ce qu'elle fait? Je servirai après. Ouais, retournez-vous à Isaac. Ça, je savais pas que c'était un. Mais si, ça fasse travail. On s'assure que je peux pas revenir. C'est n'importe quoi. Échec de l'extinction à distance. Verrouillage des systèmes. Zarpedon a tout verrouillé? Je crois que tu vas devoir désactiver ce laser à l'ancienne, avec tes doigts. Oh, mais elle a raison. Viens par ici. Tu vas devoir atteindre le noyau du laser et l'éteindre à la main. Bonne chance. Alors. Chasseur de l'Arche, des informateurs de Zarpedon ont mis la main sur des preuves qui pourraient me servir à virer votre employeur une fois que ce fiasco sera derrière nous. J'ai besoin que vous me trouviez ces preuves. Non. Tu vas faire ce que je te dis, ou je ferai tuer les derniers membres de ta famille qu'Atlas ne t'a pas déjà forcé à tuer. Bien. Bien, nous avons un marché. Il doit y avoir un messager de Zarpedon pas loin. Trouve-le. Tue-le et prends les preuves qu'il allait archiver. Tu le reconnaîtras à son armure rouge. Ok. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Elle est assez courte, mais c'est pas grave. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo et à mettre un petit pouce vert pour le référencement des vidéos sur YouTube. Alors, c'était TheusDead pour HTML HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Vive les jeux vidéo.